Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur la plaine des TATI. Donc du coup aujourd'hui, bon, là je vais déjà commencer par ramener ça. C'est vrai que je l'avais un peu zappé sur le bord du champ. My bad, c'est de ma faute, parce que j'ai eu le temps de, j'ai eu le temps de tout faire le reste en fait. Et du coup j'ai oublié ce tracteur là, donc qui est le fan qu'on a acheté vendredi quand le serveur a pu nous le permettre. Parce que je rappelle que ce week-end il y a eu quelques soucis, enfin surtout vendredi où il y a eu en fait une maintenance de serveur en début de journée qui a duré jusque fin de journée, disons un quart d'heure avant le live, donc 9h moins le quart à peu près. Et en fait les serveurs se sont relancés, sauf que parmi les serveurs il y a une bonne partie apparemment qui chargeait sans arrêt en fait et qui se relançait pas. Et nous le nôtre s'est relancé, mais tout ça pour faire de la merde. Puisqu'il plantait et il laguait surtout. Et en fait, juste quand on a coupé le live vendredi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté le serveur, Papy pouvait venir dessus quand même. Donc bon, on s'est dit on va pas trop insister quand même ce soir-là. Enfin bref, il y a eu pas mal de, disons pas mal de petits soucis. Donc du coup, serveur down jusqu'au samedi. Et samedi, il a pu redémarrer à peu près normalement, mais je sais qu'il y a encore eu des problèmes. Samedi pour beaucoup de serveurs, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des serveurs chez Nitrado, mais il y a eu des problèmes samedi dans la journée. J'ai pas regardé s'il mettait encore le message d'erreur, mais ouais, quasiment pendant tout le week-end, il y a eu des petits soucis. Bref, du coup, moi je vous tourne la vidéo. On est dimanche soir pour demain, en espérant cette fois-ci que YouTube me fera pas de la merde encore. Je vais vous expliquer juste après. L'usine à soins, je crois qu'on l'avait. On l'avait montré, je ne sais plus ce qu'il faut mettre dedans. Je sais qu'il faut du sorgho qu'on a planté. Il va nous falloir du blé. Je sais plus c'est dans quoi. Ah, il n'y a pas de panneau peut-être. Ou alors j'ai pas fait attention. Il nous faut du blé, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du sorgho. Donc là, aujourd'hui, on devrait pouvoir y amener du blé. On va pouvoir commencer à faire nos propres semences. On va aller nettoyer ça. Et puis je vais vous montrer un peu le changement depuis vendredi, parce que outre le fait qu'on a acheté cet agazou-là, il y a eu d'autres choses. Et je vais vous montrer ça juste après. Je vais juste aller laver, réparer le bordel. Et puis voilà. Donc du coup voilà, ça c'était le point pour le serveur. Donc pour YouTube, ah je ne sais pas ce qui s'est passé Roger. Pourquoi ça a fait de ligne. Pour YouTube, il se trouve que depuis une bonne semaine, les vidéos n'arrivent plus en temps et en heure. Hein, vous aurez compris, ça arrive plus entre 16h et 16h30. Ça arrive quand je peux. Parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas foutus de faire le traitement de la vidéo en HD dans les temps comme ils le faisaient avant. En fait, il y a des fois où ça prend un quart d'heure et des fois ça prend une heure. Bon, ça, c'est pas trop le problème. Mais là, en ce moment, ça prend 5-6 heures. Et encore, je suis gentil. Puisque celle d'hier sur Snow, je l'ai mis quand même, il était midi, tout pile. Et quand je l'ai eu, enfin quand je vous l'ai mis en ligne, il était je crois 19, presque 19h. Et le traitement HD était toujours pas fait. Je me suis dit tant pis, il faut que je la mette. Hein. La vidéo sera en 360p, ça va être dégueulasse. Mais il arrive un moment, ça va pas être faisable. Donc en gros en ce moment YouTube fait un peu de la merde sur le traitement HD. Donc je vous explique pas, pour ceux qui font des vidéos en 2K ou en 4K, ça doit être assez drôle, je pense. Ça doit être assez drôle. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est YouTube qui fait du caca en ce moment. Et c'est hors de ma volonté. Donc du coup, les vidéos n'arrivent pas en temps et en heure. Alors, autre changement sur la ferme, vous apercevez un nouveau tagazou. Puisqu'il y a le classe Amaké. Il y a le classe Amaké. Et oui, il fallait bien que ça arrive. Alors, propre, j'ai pas dételé la bonne. Alors, il y a le classe Amaké, mais il n'y a pas que le classe Amaké. Il y a aussi, quand je vais tourner la cam, on va le voir. Il y a aussi le smart hors champ 9 mètres qu'on a récupéré sur le module. Enfin, que j'ai récupéré du coup, parce que c'est vrai que, hop, quand j'ai regardé dans le menu des smart pour le changer, il se trouve qu'on passe du 6 mètres qui est ici au 8 mètres qui est ici. Et du coup, celui-là fait que la semence et pas la semence et l'engrais. Et après, t'as le tout gros, mais là, je trouvais ça abusé. Donc, du coup, j'ai retrouvé notre ancien hors. Je crois qu'on l'avait sur le 19. Hop, sur le mode hub. Et il y a aussi ceci, le broyeur. Le broyeur en 9 mètres, puisque nous, je rappelle que le nôtre faisait, si je dis pas de conneries, c'est où broyeur? C'est là. Le nôtre faisait 5 mètres 8 et on roulait à 18. Et celui-là fait 9 mètres et on roule
À 35. Alors c'est vrai que pour le coup, quand j'ai vu 9 mètres, je me suis dit, vas-y, je le prends. Et en fait, quand je me suis mis à broyer, j'ai vu qu'on a la 35, je me suis dit, oula. Oula, va y avoir des problèmes. Donc là, c'est tout en termes de matériel. Normalement, si je dis pas d'ânerie. Et donc, du coup, il y a encore autre chose. Puisqu'on va TP là. Et on va s'y rendre à pied. Et j'ai placé. Alors, j'ai acheté les deux terrains, le 178 et le 177. J'allais dire 179, mais non, on l'avait déjà. Et j'ai placé les abeilles. Alors, j'ai eu quelques problèmes pour placer les abeilles. Et oui, comme toujours. Donc, du coup, ça, c'est les dernières que j'ai mis. J'en ai peut-être mis trop d'ailleurs. J'aurais peut-être dû mettre que ces deux-là. J'ai peut-être viré les autres. Donc, ça. Et ceci, j'ai calé le trigger à côté. Je croyais qu'il fallait mettre un trigger par machin. Et pas du tout, en fait, il faut en mettre qu'un seul. Donc, on a déjà du miel. Hein. Et donc, du coup, j'ai essayé de les placer ici. Ça a merdé. Et ça me bouffait le champ. J'ai essayé de régler la situation quand j'ai vu que ça faisait pire qu'avant. J'ai dit, je touche plus. Soit j'attendrai Chris, ou alors soit c'est bien comme ça. Et là-bas, j'ai eu d'autres soucis aussi. Alors, un peu moins. Mais j'en ai eu quand même. J'en ai eu quand même, j'en ai eu quand même, puisque j'en ai placé ici aussi. Alors je les laisse, hein, je me gêne pas trop. Je pensais pas que ça allait produire aussi vite, c'est ça le truc. Donc là, j'ai placé là, ça a fait un trou. Jusque-là, pas trop gênant, parce que ça bouffe pas trop le champ. Donc ça surélève en fait. Et là, en fait, ça surélève cette partie-là. Donc j'ai vraiment fait de la merde en plaçant mes abeilles. En fait, j'aurais dû placer les deux trucs que j'ai placés là-bas, et c'est tout. Bon, là, pardon pour la sonnerie. Là, par contre. Je vais pas y toucher du tout parce que je pense que je vais faire encore de la catastrophe. Et donc du coup, vous l'aurez compris, si on attaque les abeilles, c'est déjà propre pour faire des rollbacks. Je peux pas me déplacer, donc je me tire. C'est déjà pour faire du miel et ensuite pour faire des céréales. Donc il nous faudra l'usine à céréales, mais il nous faudra avant, par contre, les raisins. Les raisins qui seront. Je sais pas si on va racheter du terrain avant. Qui seront normalement le prochain truc. Alors, je me tâte le raisin parce que vous savez, comme moi, que le rendement est dégueulasse. Le problème, c'est que si tu tapes un champ comme ça, je suis pas sûr que tu arrives au bout de la lignée avant d'être plein. Donc, ça, c'est chiant. Et si tu tapes un champ comme ça, on va dire, ça va faire plus de lignées, mais ça fait un énorme champ. Mais en tout cas, je sais qu'il faut de la. Il faut de la surface en raisin parce que autrement, vous savez ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas beaucoup de rendement. Et donc du coup on verra ça dans les prochains jours de toute façon. Hop, du coup, on va aller vider la mousse batte qui est déjà pleine. Et on va pouvoir continuer et alimenter l'usine à semences en blé. Je crois que c'est du blé que j'ai planté, je ne sais même plus. Je crois que c'est du blé. Je vais chercher une benne. Alors j'utilise exprès Tracteur à Chris pour lui caler des heures exprès pour l'embêter. Allez, assure. Vous l'aurez compris, non, franchement le tagazou est bien. Et le classement, on le connaît, on s'en est déjà servi avant. Donc du coup, on aura l'occasion, je m'en suis servi d'ailleurs déjà. Alors pour semer dans les deux nouveaux champs qu'on a achetés d'ailleurs, dans le 177 qui arrive à un endroit où c'est très pentu, et même le classe, il patine et tu fais du surplace. Donc tu es obligé de le semer en descendant. Alors ça, j'avais pas prévu ça, mais bon. Ah, ça va, il suffit simplement de monter 2, 3 fois et c'est fini et c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc ça c'était en ce qui concernait les nouveautés sur la map pour l'instant de ce qu'on a acheté. Comme je l'ai dit vendredi, on va en faire encore un moment hein, certainement, mais on changera de map. Pas maintenant, on a encore le temps. Je ne sais même pas combien d'épisodes on est. Je me rappelle plus. Mais voilà, on va pas faire 80 épisodes, hein, doutez-vous bien. On changera de map avant et on prendra plus petit, on va adapter un peu plus. Parce que justement là il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver dans les semaines à venir. Il y aura du Dying Light à 3 du coup, au lieu de 2. Et ce sera le 1 et non le 2. On va faire le 1 et après on fera le 2. Donc là on va faire du Dying Light à 3. Il y aura bien sûr House Flipper. Là les prochains jours il y aura la dernière vidéo de Jurassic World. Et donc du coup, bah voilà, en termes de jeu, bah, j'en fais un avec Juju. Un avec Chris Kayak, Far Cry, et j'en ferai un avec Papy et Maquet. Donc on va être pas mal occupé. Et dites-vous que les soirs où justement on va tourner du Dying Light avec Maquet et Papy, bah c'est les soirs où Papy et moi on sera pas sur Farming. Donc voilà.
Donc c'est pour ça que un peu plus tard on adaptera un petit peu les maps, on prendra des maps un peu plus petites ou alors on se cantonnera un peu moins de choses sur une map et puis voilà, mais c'est pas pour autant que je bâclerai les maps qu'on fera. Donc c'était juste pour dire ça. Et du coup parlons-en, donc le programme de la semaine, comme je l'ai déjà dit hier rapidement, donc aujourd'hui du farming puisque je vous tourne la vidéo la veille. Demain il y aura je pense la fin de Jurassic World, que ça sera fait. Mercredi il y aura du farming, alors tout dépend s'il y a une présentation de map à faire ou autre, on verra, hein. Ça ne dépend pas de moi. Jeudi il y aura du House Flipper. Parce que j'ai enfin décidé quand je vais mettre ta vidéo et ta vidéo. Mis à part si je change au dernier moment, mais ça bon, vous le savez, hein, c'est pas arrivé. Vendredi, bon, on verra, hein, soit sur la map là ou soit sur une présentation de map. Et samedi, il y aura la première vidéo de Dying Light. Et dimanche, du SnowRunner. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Pour le dimanche, ça ne change pas. Pour les lives, bah, lundi, Snow. Enfin, ce soir, Snow. Mercredi Far Cry, vendredi Farming, samedi House Flipper probablement. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Donc ça c'est pour le programme de la semaine. Comme j'ai dit, bon bah du coup en termes de jeu, fin de Jurassic World, on va attaquer Dying Light. Pour les autres jeux, bah, de toute façon, on est playing. Pour le moment, je vais pas en ajouter trop parce qu'après on s'en sort plus. On va rester sur ce qu'on a. Il n'y a pas trop de sorties de jeu en ce moment. Et du coup, je pensais que ça allait être la dèche, puis en fin de compte, bah, il y a eu Far Cry, ça c'était prévu déjà. House Flipper, c'était pas prévu de base. Ensuite, Dying Light, donc j'avais prévu de faire le 2, pas le 1, mais du coup, on aura le 1 et le 2. Et oui. Et il y a même d'autres jeux qui ne sont pas d'aujourd'hui, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je vais les mettre de côté au cas où. Il s'agit de Metro. Metro 2033, Metro le 2, je sais plus comment il s'appelle, et peut-être Metro Exodus, on fera peut-être la trilogie, ça dépend des sorties de jeux futures. C'est vrai que pour le moment, en termes de sorties de jeux, il n'y a pas. Et du coup, je vais pas pouvoir tout prendre, mais tant pis. Il n'y a pas, et du coup, ça donne du temps. Mais bon, le temps de faire Dying Light, je vous avoue que je vais essayer de taper des vidéos de 1 heure, je pense, ça peut être sympa sur un jeu comme ça. Tout dépend le temps qu'on a pour les tourner, donc on verra bien, mais on va dire faire des vidéos d'une heure à peu près, mais il y en a quand même pour un moment. Et Far Cry, je vous dis, on n'est pas au bout, on est toujours dans il y a combien, il y a 3 zones je crois, on est toujours dans la première zone et on n'a pas fini, et on va pas finir maintenant parce que Far Cry, vous avez vu comment c'était, c'est tu fais 30 mètres et t'as toujours quelque chose à faire, tu t'arrêtes, tu refais 30 mètres, etc, etc, et c'est de toute façon c'est Far Cry, c'est comme ça. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu-là, c'est que t'as rarement des temps morts. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était pour ça. Ensuite, il y a autre chose. Vous aurez remarqué que depuis samedi, normalement, les miniatures ont changé. Je les ai changées un petit peu parce que j'ai compris une mécanique de Photoshop que je cherchais depuis un moment. Et du coup, ça a changé un peu sur le côté comme ça. Alors j'hésite sur certaines choses là-dessus. Le fait qu'il y ait mon logo, alors le fait qu'il y ait mon logo, ça c'était fait exprès. Donc moi personnellement j'aime bien. Mon pseudo en dessous, finalement j'étais chaud et je suis un peu moins chaud, mais j'ai envie de dire c'est pas le truc qui me dérange le plus. Après c'est plutôt le contour. Le contour, en fait, je cherche absolument du orange et du noir, puisque mon logo, c'est du orange et du noir. Hein. C'est un renard en orange et autour, c'est noir. Et en fait, je trouvais ça joli de base. Et je suis un peu hésitant à chercher autre chose pour remplacer. Mais voilà, bref, quoi qu'il en soit, le principal est que les minias ont changé parce qu'il y avait. Un truc que je ne comprenais pas sur Photoshop avant et que j'ai compris en farfouillant un peu quand le serve farming était out, tout simplement. J'avais déjà cherché avant, mais en fait ça me prenait la tête de chercher puisque je n'ai aucune patience, c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, je tiens à le rappeler, j'ai pas de patience du tout. En fait, faut que je sois bien tourné. En gros, non, faut que je sois d'humeur à chercher. Quand je suis pas d'humeur à chercher, c'est pas la peine. Je vais m'énerver plus qu'autre chose et j'avancerai à rien du tout. Donc voilà, ça c'était pour la chaîne. Pour le moment, voilà.
Pour le moment, voilà, pour le moment, voilà. Pour les autres séries, comme je vous ai dit, hein, une agriculture biologique saison 2 ou une agriculture réaliste, je ne sais même plus c'est quelle saison. Je dirais limite que c'est la 3, puisque j'ai envie de vous dire, il y en a une ou deux, pour moi, je compte limite pas du tout, mais bon, on va rester dans le truc. Je m'attends encore quelques modes, bien sûr, on a le temps. Farming Simulator 22 vient d'arriver, donc on a encore largement le temps. Et surtout une map qui nous plairait. Donc on verra ça un peu plus tard. Mais je suis assez content de pouvoir faire toujours d'autres jeux que Farming, parce que certes FES 22 moi j'aime bien, même beaucoup. Mais on a pu se lancer dans le multigaming l'année dernière et je regrette pas, et je suis assez content de pouvoir en faire. Je vais pas dire que j'en ferai plus, là je pense que je trouvais à peu près juste au milieu. En ce moment, il y a moins d'engouement sur la chaîne, il y a moins de vues, j'ai remarqué. C'est un truc, en fait, je m'en occupe de moins en moins. Je m'en suis occupé de moins en moins ces derniers mois. Enfin, je m'en occupais déjà pas trop avant, parce que c'est pas trop le truc que je regarde sur YouTube. Hein. Je fais mon petit machin et puis même s'il n'y a qu'une poignée de personnes qui regardent, moi j'aime ce. Donc ça fait plaisir à des gens, c'est ça qui compte pour moi. Mais c'est vrai que quand j'ai jeté un œil vite fait le dernier coup, je me suis dit, oula, ça a descendu. Et peut-être parce que voilà, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, on est rentré dans le multigaming, donc les gens qui étaient axés pur farming, parce que je faisais que du farming et qu'on vu que je faisais du multi, il y en a beaucoup qui sont partis. Et je pense que c'est dû à ça, ou alors il y a peut-être le fait que maintenant, effectivement, il y a les beaux jours qui arrivent, et il y a quand même pas mal de gens qui ne restent pas enfermés, hein, bien sûr, ce qui est normal. Enfin, il y a beaucoup d'explications, je pense, mais je pense pas que ça vienne de moi, parce que je n'ai pas changé. Hein. Ça, il y a bien un truc que j'ai dit, c'est que je ne changerai jamais. Mais voilà. Donc, je cherche pas trop la petite bête ni l'explication, mais je pense que c'est un peu dû à plusieurs choses dans ces trucs-là. Et il y a un autre truc aussi que je voulais vous parler pour faire un résumé vite fait. Ce week-end, donc à la suite du week-end dernier qui était la Z-Lan, bien sûr, puis le Trackmania qui a été annoncé, ben bon, ça je la ferai pas parce que c'est en duo et je suis tout seul. Malheureusement, et oui, j'ai pas d'amis. Donc ce week-end c'était l'événement caritatif de Mister MV que je ne savais même pas. En fait je suis tombé dessus par hasard l'année dernière, j'ai même pas fait exprès. Et j'ai pas calé du tout ce que c'était, donc j'ai un peu zappé et j'ai même pas vu du tout le truc. En fait cette année ils en ont parlé un peu plus, dont Zera en a parlé à la ZLAN. Et le truc c'est que c'est un marathon caritatif pour Médecins du Monde, si je dis pas d'annerie. Et en fait le but c'est de speedrun des jeux. Et pourtant c'est pas du tout mon trip, mais franchement j'ai passé un bon moment sur ce marathon. Alors, c'était un marathon de 55 heures, doutez-vous bien que je l'ai pas suivi parce que bon, j'ai un peu autre chose à faire, mais voilà, j'en ai regardé des bouts et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je connaissais pas du tout le speedrun des jeux, c'est surtout le fait qu'il y a des gens, parce qu'il n'y a rien à gagner en fait à speedrun des jeux, ils se font des concours, il y a des world records et tout, mais il n'y a rien à gagner en principe. Et il y a des gens, ils trouvent de ces glitches sur tous les jeux, c'est incroyable. Je suis sur le cul de ce qu'ils peuvent trouver comme glitch sur certains jeux. J'en ai vu un sur Zelda. Alors le Origin, je sais pas quoi, mais couille là. Le jeu est cousu de glitch. Le mec fait des glitches toutes les 10 secondes. Ah, peut-être un peu plus quand même. Et des fois, toutes les 30 secondes, il fait un glitch. Et c'est abominable, il y a des jeux, ils sont fracassés. Du genre Hitman 3, qui n'est pas du tout, voilà, pas à dire, pas du tout mon style de jeu. Qui est un jeu d'infiltration, et c'est pas. Disons que j'aime ça, mais c'est pas dans mes cordes, parce que moi je suis pas du tout quelqu'un de discret, que ce soit IRL ou dans les jeux. Mais c'est un jeu qui m'aurait plu, et en fait, quand j'ai vu ce que le mec faisait. En fait, le mec était déguisé en clown, donc le truc pas du tout voyant, tu sais. Alors ça, c'était un truc imposé, mais les PNJ sur les maps sont programmés pour du genre le PNJ est là, à la place de la machine. T'es là en clown, tu tires une balle à cet endroit-là. En fait, le PNJ va se sentir obligé d'aller voir l'endroit où la balle a été tirée
et ensuite de chercher l'arme qui a tiré. Et en fait, toi, tu peux te promener devant eux comme ça. Tu sais, tu les regardes et ils te voient pas. Et c'est là que tu comprends que le jeu est pété et que les devs, ils ont vraiment merdé parce que les PNJ, ils veulent absolument voir la balle puis l'arme. Et pareil, tu poses une pièce ou une mallette dans une pièce. Les PNJ se sentent obligés d'aller voir la mallette ou la pièce en question. Et tu sens qu'il y a quand même des jeux qui sont vachement pétés. Et tu te dis, ouais, il y a des fois, il y a des devs, ils sont pas. C'est pas très chaud du slip, quoi, on va dire. Hein. C'est pas. Disons qu'on a connu mieux, c'est pas foufou, quoi. Mais franchement, c'est un truc que j'avais jamais vu. Et c'est une belle expérience, je trouve. Outre le fait que j'aime beaucoup le streamer qui présente ça, qui est MV. Après, il n'y avait pas que lui, il y avait Zera et autres. Mais c'est MV et Médecins du Monde qui organisent ça. Mais outre le fait que j'aime beaucoup le streamer, j'ai trouvé le truc vraiment sympa. Et je connaissais pas du tout. Alors, pas que ça me tente, hein, très loin de là. Hein, parce que faire du speedrun de jeu, quand il faut faire 150 fois le même jeu, sans tomber parce qu'il y a des glitches, je suis obligé de faire des commandes à la frame près et tout. Enfin, c'est un truc de barbare, ce machin. Et en fait, quand ils scutent sur une. Ceux qui veulent tenter un world record, ceux qui scutent sur un truc, ils recommencent le jeu à zéro, c'est abominable. Donc ça me tente pas du tout de le faire, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des trucs comme ça. Ça me fascine un peu. Je suis assez subjugué du truc. Il y en a qui ont du courage, quoi. Et ça donne des bons résultats, je trouve. C'est vraiment sympa comme truc. Et alors, si je vous dis pas d'annerie, parce que la chaîne de Mister MV, je sais un peu comment elle fonctionne. Donc, si je vous dis pas de conneries, les redifs seront disponibles sur la chaîne Twitch de Mister MV gratuitement. Hein. C'est pas pour les subs only. À part s'il a changé, mais je crois pas. Ce dernier redif de live, je les ai vus il y a pas longtemps. Et je sais que lui, il les laisse gratuitement. Donc, l'événement s'appelle Speedon. Et je crois qu'il sera en intégralité disponible en rediff et gratuit. Pour ceux qui l'auraient loupé et que ça intriguerait ou que ça intéresserait, ça sera disponible sur sa chaîne. Mais comme j'ai dit, c'est un truc, moi qui suis pas très fan de speedrun, qui aime plutôt prendre mon temps sur les jeux, qui aime plutôt justement regarder les gens qui prennent leur temps sur des jeux. Donc voilà, c'est pas du tout ma came de base. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et vraiment sympa à regarder. C'était seulement la deuxième édition et il la programme déjà pour l'année prochaine. Je ne sais pas quelle date. Mais en tout cas, de sûr, c'est prévu et ils ont récolté 800, 2500 euros, je crois. Donc c'est déjà une somme assez ouf. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Je vous invite, pour ceux qui seraient intrigués, à aller voir la rediff. C'était vraiment cool. Donc voilà, bref, c'était un petit peu pour dire ça. Je vous fais souvent des points IRL et autres. Bah ça, c'était ce week-end, outre le boulot. Parce que ce week-end, j'ai eu un bel âge. Une vache, pas une jaunisse. Et c'était du INRA qui était dessus. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, globalement, c'est correct. On est en train de mettre du fumier sur le maïs avant de labourer, parce que nous on fait plus de labour d'hiver avant le semis de maïs. Vous savez que enfin, pour ceux qui sont du milieu, pour ceux qui n'y sont pas, faire du labour d'hiver, en fait, comme le sol gèle, en fait ton labour va geler quand il dégèle et qu'il regèle et qu'il dégèle et qu'il regèle. En fait, ça éclate en quelque sorte les mottes de terre, ce qui fait que normalement, en principe, ce sera plus facile à travailler au printemps pour semer du maïs. Ça, on le faisait avant, mais maintenant on ne le fait plus, étant donné déjà qu'il n'y a plus guère de froid. Et nous, on avait mis un couvert végétal dessus, et le couvert végétal, c'est du régras et du trèfle, et donc du coup, les vaches pâturent un peu dedans avant de labourer, donc c'est pour ça qu'on ne le fait plus. Donc là, on est en train de vider les cases des blanches, on y pend directement pour le maïs. Étant donné qu'on va éviter d'acheter de l'engrais cette année, enfin très peu en tout cas, là, on est allé en chercher. Enfin, je crois qu'on en a mis 4 tonnes. Et en tout, on devra en mettre 6 et c'est tout, alors que d'habitude on en met 8, je dirais entre 15 et 20 tonnes, je pense. Si je vous dis pas de conneries. Tout confondu, hein, pas que pour un seul, mais là, mis à part mettre du 18-46 au semis,
Pour le maïs, c'est tout ce qu'on mettra. Donc voilà, là, on est en train de vider les cases, on y pend. Derrière, mon père ira à la charrue pendant que moi, je pourrai enfin aller au bois. Enfin. Parce que là, ces temps-ci, j'ai pas trop eu le temps. Et du coup, voilà, début de semaine, c'est ce qui va se passer. Hein. Il va finir ça, charrue. Moi, je vais y faire du bruit. J'ai déjà dû emmener de l'eau à mes genisses parce que c'est vrai que il y a eu. En fait, il y a eu le froid. Il y a eu un peu d'eau, mais pas tant que ça. Après, j'ai enfin réussi à nettoyer la réserve d'eau. Il n'y a pas plus tant que ça. Derrière, il y a eu du sec. Et puis là, en fin de compte, il y a eu la neige. Mais la neige a pas fait tant d'eau que ça. Et là, il y a re du beau. Donc en gros, il n'y avait pas grand-chose dans la cuve et il a fallu que j'en emmène directement. Ça, c'est un peu chiant, mais bon. Enfin, il n'y a pas si loin. Ça se fait assez rapidement, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, comme l'année dernière, en fait, je n'en ai pas emmené du tout. Je crois que j'ai dû en emmener une tonne au démarrage, une ou deux tonnes au démarrage, parce que il y a effet sec. Rappelez-vous, l'année dernière, il y a effet sec. Et derrière, au mois de mai, c'est là qu'il a commencé à pleuvoir et faire bon, bah, l'année qu'il y a eu. Et du coup, j'ai pas dû ramener d'eau. Et c'est des années que j'aime bien, moi, personnellement, parce que déjà, t'as pas à te faire chier avec ça. Et en plus de ça, on avait fait pas mal de rendements en foin et en gain, c'était plutôt cool. Mais là, pour l'instant, c'est mal parti. Étant donné que, en fait, il y a eu de l'eau, le coup de la neige, plus les jours de pluie derrière. Donc, il y a eu du beau re de la flotte. Et là, en fait, il y a le vent, la bise, c'est le vent du nord, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, nous on appelle ça la bise. En fait, elle a tendance à tout assécher, donc ce qui fait que c'est déjà redur comme du chien. Et va déjà refalloir de l'eau. Bah, on est chiant, hein, les paysans, hein, c'est terrible. Hein. Des vrais vieux boucs, incroyable. Mais bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, du coup, on se laisse là pour aujourd'hui, messieurs. On se retrouvera ce soir pour du snow avec Maquet. Je ne sais même pas si Chris sera là, je crois pas. Mais en tout cas, on sera avec Maquet sur la map The Town. On avancera un petit peu tranquillement. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes là dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.